Abou Saïd, est un village du nord de la Tunisie, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Tunis. Il compte 5911 habitants selon le recensement de 2014. Perché sur une falaise dominant Carthage et le golfe de Tunis, il porte le nom d'un saint, Sidi Bou Saïd. Il est desservi par la ligne ferroviaire du TGM, qui le relie à la Marsa et à Tunis. Les Carthaginois puis les Romains auraient utilisé les hauteurs de l'actuel Sidi Bou Saïd pour y établir une tour à feu. Une mosaïque de 6 mètres sur 5 prouve d'ailleurs l'existence ancienne d'une villa romaine. Au XIe siècle, les hauteurs du village sont choisies par les Almoravides pour la défense des côtes nord-est de la Tunisie. Des tours de guet et des tours à feu y sont construites. Elles donnent d'ailleurs l'appellation de la colline Jebel El Manar, c'est-à-dire la montagne du feu. Abou Saïd Khalaf, Ibn Yahya El Tamimi, El Beji, alias Sidi Bou Saïd, enseigne dans la rue qu'il habite à Tunis, et qui a depuis conservé son nom. Vers la fin de sa vie, il se retire sur le Djebel Menara, dans le Riba construit sur la colline dominant le Cap Carthage, pour monter la garde et y enseigner le soufisme. Il est alors surnommé maître des mers à cause de la protection que les marins naviguant à proximité du site pensent recevoir. Il meurt en 1231 et est enterré sur la colline. Sa zaouïa constitue sans doute le premier élément du village qui prendra son nom. Des traces archéologiques repérées sur le versant nord laissent penser qu'un mur d'enceinte contourne alors le site. Dès le XVIIe siècle, le charme de ce village séduit la bourgeoisie tunisoise et la famille Bellica Lucénite, qui y fait construire des demeures luxueuses, de style arabo-musulman, telles que Dar Del Haji, Dar Mohsen, Dar Tamer, Dar Arif, Dar Lazram, Dar Debag, Dar Sherif, Dar Bari, le palais Nesser Bey, et Sotera. Il reçoit le nom de Sidi Bou Saïd lorsqu'il devient le siège d'une municipalité en 1893. Le 28 août 1915, un décret est pris pour assurer la protection du village, imposant le bleu et le blanc, si chers aux barons d'Erlanger, et interdisant toute construction anarchique sur le promontoire, faisant de Sidi Bou Saïd le premier site classé au monde. Sidi Bou Saïd est rattaché au site de Carthage, classé patrimoine mondial par l'UNESCO en 1979. Toutefois, les consignes de l'UNESCO cèdent devant l'urbanisation qui se développe depuis Sidi Bou Saïd jusqu'à la Malga et Salahambo. Les connexions électriques et téléphoniques aériennes dénaturent par ailleurs le paysage. De plus, la municipalité ne parvient pas à maîtriser le développement du souk du village. À partir du 19e siècle, Sidi Bou Saïd attire nombre d'artistes, musiciens et écrivains, dont Chateaubriand, Gustave Flaubert, Paul Klee, Auguste Mack, Alphonse de Lamartine, André Gide, Colette et Simone de Beauvoir. Michel Foucault y rédige l'archéologie du savoir. Le 12 janvier 2013, le mausolée de Sidi Bou Saïd est complètement incendié. Il avait subi des menaces de la part des salafistes. Des travaux de restauration et d'aménagement sont entrepris par la suite. Les maisons de Sidi Bou Saïd qui combinent les architectures arabes et andalouses et qui sont d'une blancheur éclatante et aux portes bleues, sont dispersées au hasard de ruelles tortueuses. Au lieu touristique aux couleurs de la mer Méditerranée, classé depuis 1915, le site est surnommé le petit paradis blanc et bleu. Dar El Anabi, demeure du Mufti El Anabi, construite au XVIIIe siècle, est formée d'une cinquantaine de chambres, est surnommée le palais des mille et une nuits. Elle est transformée en musée qui présente des objets de style arabo-musulman, dont une robe de mariée qui pèse 22 kilos. Patrie de la musique, le village accueille également le centre des musiques arabes et méditerranéennes, dans le palais de Rodolphe d'Erlanger. Baron franco-britannique, à l'origine de la protection de la ville, il contribue grandement à la notoriété du site, en revalorisant l'architecture tunisienne traditionnelle. Bénéficiant d'une décoration intérieure raffinée et d'un jardin luxuriant, le palais d'Erlanger est ouvert au public. D'autres vastes demeures bourgeoises estivales de style arabo-musulman sont édifiées au XIXe siècle et deviennent progressivement au XXe siècle des résidences principales. Dar Del Haji, Dar Mohsen, Dar Toumi, Dar Sfar,
Dar Senoussi, Dar Chéri, Dar Bari, Dar Lazram, Dar Kalsi et Dar Arif, ainsi que Dar Patou. Sidi Bou Saïd est également réputé pour ses cafés dont les terrasses sont des lieux de détente très prisés des Tunisois, le café Alia, ou café des Nattes, qui abritait les soirées de Malouf, organisées par les mélomanes du village, le café de Sidi Chabane, ou café des Délices, voyant le jour vers la fin des années 1960, qui offre une vue unique sur le golfe de Tunis, le café de la place du village, qui était le domaine réservé des anciens de Sidi Bou Saïd. مشهور بالنغور يا لالا ويا لالا.